cette vidéo, nous découvrirons les phases principes de fonctionnement d'un système de l'airbag d'un véhicule. Le système airbag est un dispositif de sécurité passive qui se déclenche automatiquement lors d'une collision, et ce système fonctionne dans un groupe de phases. La phase numéro 1, la détection d'un choc par le capteur. La phase numéro 2, le capteur informe le calculateur avec des données qu'il y a un choc. La phase numéro 3, le calculateur calcule les données de mesure de capteur. La phase numéro 4, le calculateur fait commande la déclenchement de un ou plusieurs airbags. La phase numéro 5, le déploiement de l'airbag. La phase numéro 6, l'amortissement de l'airbag. La phase numéro 7, le dégonflage de l'airbag. Toutes les phases qui ont été mentionnées se déroulent dans un temps très court, ne dépassant pas 0,15 secondes. Si vous voulez que je parle de n'importe quel sujet, mettez-le simplement dans les commentaires sous la vidéo. Notre objectif est de diffuser des informations dans la mesure du possible pour répondre à toutes les questions liées au diagnostic des défauts mécaniques et électriques des véhicules.